Quelle journée, mes aïeux! Oh la vache! Rebonjour! Non, re-re-bonjour! On s'est déjà vu plein de fois aujourd'hui en fait. C'est ouf! Monsieur K qui ne va jamais sur Twitch, qu'est-ce qui se passe? On a des breaking news. Hein. Ce soir, ça va être un let's talk davantage qu'un let's play. Moi, je vais jouer sur Mushi parce que j'ai besoin de me réentraîner sur les deux derniers tableaux. Mais on va surtout discuter, quoi, parce qu'on apprend des nouvelles qui sont assez contrariantes quand même. Et qui touche directement ce qu'on aime, le jeu vidéo. Puisqu'aujourd'hui, vous avez sûrement vu passer ce tweet. Alors, je vais vous le dicter, je le retrouve. Voilà, tout fraîchement, l'ami Erwan Cario a posté ce tweet avec l'ami Marius Chapuis. Nous voulions revenir plus longuement sur la fin de Gamekult après l'annonce jeudi soir du départ collectif de la rédaction. Mais l'actualité nous a rattrapés et après ce qu'il s'est passé hier, il nous a semblé urgent de publier notre article. Alors qu'est-ce qui s'est donc passé hier? Je reprends ce qu'écrit Erwan. À 16h lundi, les membres de la rédaction de Gamekult, qui avaient décidé de partir avec la clause de session le 7 décembre, ont appris qu'ils devaient quitter les lieux dans la soirée et ne plus revenir dans les locaux. À l'américaine. Sidération dans les rédactions voisines. Alors Erwan continue. Légalement, c'est une dispense d'activité de la part de Reworld. Symboliquement, on peut interpréter ce geste comme la conséquence directe de leur prise de parole jeudi et de la vague d'indignation qui s'en est suivie. Nous revenons donc sur la place particulière qu'occupait Gamekult dans le paysage médiatique et plus généralement sur la disparition d'une presse jeux vidéo de qualité exigeante, digne. RIP Gamekult. Bon, après, il y a des vives, mais je les partage pas vraiment, donc je vais m'abstenir, mais vous les retrouverez dans le tweet original. Voilà, c'est quand même un petit peu violent. Alors qu'est-ce qui vient de se passer si on résume la situation? Gamekult a été racheté par Reworld, qui est un conglomérat de gens qui sont uniquement là pour faire des profits, peu importe la qualité du produit. C'est d'ailleurs sans étonnement qu'on constate que Reworld est une société qui est bien présente dans différents types de presse spécialisées. Et sa spécialité, c'est les fermes à clics. Alors on va pas le dire autrement, hein. Ce sont pas des gens qui font de l'édition. Ce sont des gens qui cultivent des fermes à clics, et il ne faut pas mélanger les deux choses. Alors, quelle est la différence entre la presse spécialisée et les fermes à clics? Alors ça, je vais vous l'expliquer très simplement. C'est tout simplement, dans la presse spécialisée, vous avez des gens qui font des rédactions, qu'ils soient pigistes ou internes, et communiquent des papiers qui sont faits sur leur ressenti par rapport à la spécialité qu'ils traitent. Donc pour les jeux vidéo, c'est essentiellement des news, et puis également des tests, ces fameux tests qu'on aime tant. Et ces tests d'ailleurs qui donnent la couleur éditoriale à un magazine, puisque vous allez en préférer un plus qu'un autre, parce que vous vous retrouverez dans la façon d'écrire des différents contributeurs. Oui, j'essaye de chercher mes mots pour rester dans des limites aimables, parce que ça m'a mis en colère ce fonctionnement à l'américaine qu'on se fait imposer. Faut savoir que la France a des cadres très définis pour le travail et qu'on ne peut pas virer du jour au lendemain qui que ce soit. Non, il y a des procédures à respecter. Et de la même manière, on ne peut pas interdire l'accès aux locaux à un personnel prévu d'être débarqué comme on le veut. Le pire étant que si c'est pas en suivant une procédure donnée qui est communiqué à l'employé ce qu'on signifie de son besoin de ne plus venir au travail, je l'ai très mal exprimé, mais bon, j'improvise, hein. Vous le savez très bien. Mais bon, si on dit à un employé de ne plus venir travailler, il faut savoir que le lendemain, s'il ne se présente pas, et au bout d'une période de 72 heures, s'il ne s'est toujours pas présenté, alors qu'il a juste eu un avertissement oral, il y a moyen que ce même employé, en fait, utilise une procédure qui permet de dire « Ah, mais il s'est pas présenté, et c'est ça le vrai motif pour le virer. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si on vous signifie oralement que vous ne venez plus à votre travail, ça n'a aucune valeur légalement. Il faut le savoir, et pour une fois, Monsieur K sait de quoi il parle, parce qu'il l'a expérimenté pour son dernier boulot.
Oui, j'ai été invité à ne plus me présenter à l'endroit où je travaillais. Je suis rentré chez moi, et moi en général, quand je suis pas d'accord avec un employeur ou qu'il s'avère que cet employeur est tout simplement une ordure, comme on en trouve souvent, je passe ma soirée en général sur les sites de législation, ce qui est fatigant, ce qui est pas intéressant, mais qui permet de dégager certaines informations qui sont vitales et qui vous évitent de faire une connerie. Or, j'avais prévu de pas me présenter comme j'ai été invité le lendemain au boulot. Et j'y suis allé quand même, puisque j'ai découvert que si on n'a pas reçu ceci de manière écrite, il n'y a aucune valeur. Et le recommandé fait tout le job. Hein. Donc voilà. Pour revenir à notre sujet, c'est quand même vraiment, vraiment maladroit la façon dont. La façon dont Remedia, la Reworld. S'y prend pour faire sa manip parce qu'il n'y a aucune discrétion déjà. Ce qui pour des gens qui sont dans la finance et l'argent d'habitude est la coutume, hein. On fait ça plutôt discret. Et puis après ça arrive jusqu'à Mediapart et c'est plus rigolo. Je vais baisser un peu le son. Mais l'autre truc qui est assez marrant et que ces gens-là ne voient pas venir, c'est qu'en Europe, on a une culture quand même un petit peu différente. Et qu'on les sent débarquer ces gars-là, et on n'est pas dupe des fermes de clics. Aujourd'hui déjà, beaucoup de gens ne vont plus sur certains sites de jeux vidéo, tout simplement parce qu'ils ont compris que c'était rien d'autre que des dépêches et des communiqués commerciaux qui sont simplement traduits. Basta. Et après qu'on teste de jeux, il y a, c'est des tests de jeux qui sont avec les bords limés, vous savez. C'est la vieille légende où on se dit, tiens. Le journaliste a retenu sa langue, il n'est pas allé aussi loin que d'habitude, parce que peut-être il avait peur de heurter l'éditeur ou les développeurs, on ne sait pas. Et ça change tout, et c'est ce qui rend malhonnête en fait une publication. De surcroît, c'est un problème qui est vieux comme la presse, parce que toujours on a mis en doute, en arrière-plan, sans jamais le dire ouvertement, son indépendance. Il faut savoir qu'un magazine, c'est une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, elle a besoin d'annonceurs, c'est le meilleur moyen. Et pendant des années, grâce à la presse papier, il y a eu une entente comme ça où les annonceurs étaient heureux de bénéficier d'un support presse spécialisé qui permettait d'exposer ses produits. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un éditeur que de se retrouver avec un produit dont personne ne connaît l'existence. Et puis derrière, bien entendu, l'achat de pages de pub qui permettait à cette presse de vivre et qui a bien vécu, il faut le dire, pendant 2 bonnes décennies. Vous avez vu comme je fais bien des paragraphes? C'est chouette, hein? Et tout ça sans jouer. C'est la première fois que je fais un stream comme ça, je crois. Un let's talk. Mais bon, je suis tout seul à parler, c'est ça qui est dommage. J'aurais vraiment adoré avoir des invités. Hein. J'étais à 2 doigts de pinguer Erwan, de pinguer Gotoz et leur dire venez, on se fait une petite jam. Le problème, c'est qu'on ne se connaît pas encore vraiment assez et il y aurait eu quand même beaucoup plus d'organisation à faire en amont. Et je reviens donc sur cette presse qui à l'époque était papier et qui a bien sûr mis du temps à muter pour adopter le numérique. Elle s'y est prise tardivement. On n'est pas supposé deviner et sentir venir les choses, soit. Après les mettre en place, ça prend encore énormément de temps. Et je pense que dans ce mouvement de mise en place de la presse numérique, il y a eu une énorme bourde qui a été faite. Et là, je mets un vide de paragraphe. Quelle pourrait être cette énorme bourde? Faut savoir qu'à l'époque, pour la presse papier en particulier, chaque rédaction avait son propre pôle de gestion pour la partie publicité. Ça veut dire que un magazine qui s'adresse essentiellement à des jeunes n'avait pas trop pour objectif de recevoir certaines publicités. Rolls-Royce, par exemple, ne pouvait pas trop être annonceur de ce magazine-là, si on regarde bien. Bah, aucun intérêt. Des mineurs qui sont milliardaires, j'en connais très peu moi aussi. Et avec la migration sous le numérique, bah, il se trouve que les rédactions ont également été modifiées. Il y a des rentrées d'argent qu'on a senti venir inférieures et forcément on a écrémé. Et très souvent dans les rédactions, on s'est débarrassé de la partie gestion
des annonces commerciales sur le support. Tout ceci a basculé progressivement dans les mains de régies, régies qui ont acquis les monopoles et qui se sont retrouvées à être juste des groupements qui achetaient en masse des espaces d'annonces et essayaient de les attribuer à des clients à qui ça correspondait le mieux. Le résultat, c'est que depuis plus de 10 ans, en fait, les rédactions web, essentiellement, pour tous les médias numériques, n'ont absolument aucun contrôle sur les annonceurs, alors que c'était le cas à l'époque de la presse papier. Et là, je crois qu'on met le doigt sur une grosse différence et une grosse difficulté. Pourquoi ? Espace de paragraphe. J'ai l'impression de dicter à un dictaphone. Comment s'appelait le dictaphone déjà dans TwinSpeak ? Dans Twin Peaks ? Ah zut, j'ai bouffé le nom. Bon, peu importe. Je vais reprendre quand même mon blabla, en essayant de pas m'égarer, vu que j'improvise ça en temps réel pour vous. Donc cette histoire de Régipub qui s'est installée, c'est devenu en fait le point faible de toutes les rédactions médias de la planète, quel que soit le sujet traité. Ça concerne aussi bien les magazines qui font du jeu vidéo que les magazines qui traitent de la pêche, de la chasse et de la nature. Ça concerne à peu près tous les médias spé. Parce que le souci, c'est qu'une fois que le contrôle des publicités vous échappe, le contrôle des rémunérations par ces réseaux-là vous échappe également. Là, vous êtes par rapport à une hiérarchie où vous avez un broker qui est au-dessus de vous. Oui, parce que les régies, médias, c'est rien d'autre que des brokers. Ils achètent en masse les espaces pubs à un montant donné, ils prennent leurs marges, plus ou moins confortables, et après ils ont pour objectif d'essayer de les refourguer un max pour pouvoir rentabiliser le truc. Et il y a toute une magouille qui existe, et c'est pour ça que le marché des régies pubs est vraiment fructueux en ce moment, parce qu'on va le dire, il y a un terme pour ça, c'est ces gens-là se font des couilles en or, c'est clair. Et l'idée sous-jacente que vous me voyez commencer à tirer dessous le tapis, c'est ne serait-il pas encore temps de récupérer le contrôle de sa publicité, messieurs et mesdames, magazines spécialisés ? Je pose la question. Ou bien de créer votre régie à vous, une régie mutualisée des médias SP qui gère ce genre d'entouloupe et ne se fait plus en ce que vous voulez à la fin, par des régies organisées par des élèves de HEC, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'une régie pub qui vend des espaces publicitaires n'a aucune connaissance de ce que fait réellement le média dans lequel elle va insérer la pub. Elle connaît un peu le client, hein, L'Oréal, vous faites des produits pour la barbe, je crois. Mais elle connaît absolument pas le diffuseur final derrière. Et sur ça, c'est complètement honteux, parce qu'il y a un minimum de rapport à avoir entre professionnels, que ce soit du côté des magazines, et du côté de ces régies-là. Et vous écouterez les différents échos de gens qui ont travaillé dans ces magazines, et vous serez horriblement surpris de constater que la plupart de ces gens n'ont jamais vu la moindre personne d'une régie. Ils n'ont jamais discuté autour de du côté tacite de certaines campagnes de pub. Et à ce niveau-là, c'est un manque de professionnalisme honteux qui montre et qui confirme qu'on a affaire à des boîtes qui sont uniquement là pour le pognon. Donc voilà la situation aujourd'hui, et voilà pourquoi je suis énervé, voilà pourquoi je voulais streamer un bout pour exprimer ça, parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être connu. Le métier de journaliste est un chouette métier. Il est fait essentiellement par des passionnés qui, par force de travail, ont franchi le pas et sont devenus professionnels. Et je pense que c'est important de respecter ça, tout autant que c'est important de respecter leur indépendance. À partir du moment où votre magazine devient juste le haut-parleur d'une régie pub, il y a quelque chose qui cloche. Surtout que, comme je le sous-entendais tout à l'heure, niveau rédaction, les articles que vous faites, ils vont passer entre les mains du rédac-chef. Le rédac-chef peut avoir des ordres de la part des investisseurs. Et vos papiers peuvent être limés, réarrangés en fonction de ces derniers avis. Au final, je caricature, mais il se peut très bien que
un journaliste rende un test d'un jeu qu'il n'a pas apprécié, un test très très bien foutu, très détaillé, sur lequel il y a, point de vue structure, rien à redire, mais qu'au final on lui dise « ton test il est super bien, mais on peut pas le publier comme ça ». Bah oui, on a Xilisoft là qui nous a pris 2 ans quart pub, machin, la régie va gueuler quoi. Voilà la situation. Ouais, je sais, c'est triste. On va leur envoyer Aloy, elle va tous les aligner à l'arc. Donc si vous tombez sur cette émission sur Twitch, bah faites la tournée. C'est important que les gens soient au courant. Si j'ose la publier sur YouTube, je l'assume totalement parce que c'est des choses qui sont importantes à dire. Et sans être journaliste professionnel, moi, je soutiens totalement les collègues journalistes pros. Je soutiens totalement les médias spécialisés et je soutiens encore plus fort les gens qui ont osé être là au début des années 2000 alors que tout le monde se foutait de leur gueule et qui ont tenu plus de 20 ans comme ça, mine de rien. Est-ce que je vais faire ma partie de Mushi Mesama du coup? Bah, je sais pas, j'ai vraiment les boules et en fait maintenant la colère est passée et j'ai la tristesse quoi. J'aurai bientôt le déni, je crois. C'est ça, c'est dans l'ordre que ça va. On va jouer à Mushi quand même, ça fera du bien. Surtout que il est 18h15 et à 19h j'ai un stream à vous envoyer. On découvre Season ce soir, un jeu tout calme, tout chill, tout gentil. Ça va faire un sacré contraste. Allez, on va aller faire un petit Mushi, ça défoulera. Puis au moins, vous me verrez faire des figures acrobatiques que peu de schmeupeux osent. Normal, moi c'est que de l'impro. Merde, j'ai vendu la mèche. Tout le monde le sait de toute manière. Hop, capture de jeu, je sais plus sur lequel j'étais, ça devrait être la bonne. On va enlever la vidéo. Et on va dans le Mushi. Ah là là. Alors c'est très très rigolo ce mardi quand même, c'est la journée de tous les emmerdements. J'ai eu affaire qu'à des personnes malhonnêtes, dégueulasses, de mauvaise foi. Et tomber sur ça en plus, c'était la cerise sur le gâteau. J'ai pas la capture, les gars. Ah oui, il y avait Gungrave en capture. Gungrave que je vais pas manquer de massacrer, que je vous montrerai vendredi brièvement pour vous exprimer mon courroux. Tu viens la capture ou pas? Parce que là, on l'a. Hein. Là, on l'a. Là, on l'a aussi. Bon, bah là, vous l'avez dans quoi, vous pourriez l'avoir? Vous l'avez pas sur l'écran, en tout cas, c'est pas cool. Je vérifie ma capture. Non, c'est bon, c'est que ça a pas grippé. Des fois, ça grippe pas, je sais pas pourquoi. Désolé pour le contretemps. Oh, j'aurais pu m'énerver en plus, ça aurait été bien. Mais non, c'est toujours un bonheur d'aller dans un shmup. Ah bah ça va mieux. Mushi, 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 pour changer de sujet. Je retourne dans le jeu parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. J'ai joué un petit coup en début d'après-midi là. Et j'ai constaté que j'avais perdu pas mal de choses. Et aussi pour me perfectionner pour les deux derniers niveaux où je fais encore beaucoup de bêtises et le dernier boss que je n'arrive carrément pas à passer comme il faut. On va voir si l'inspiration est avec moi. Grâce au saint énervement des news de la journée. Aujourd'hui, j'aime bien les choses stupides. Ça se voit? Non, dites pas ça. Est-ce que vous avez d'autres schmeupeux qui tentent des routes comme ça? Bah non, alors profitez. Bon, après, vous pourrez dire, c'est suicidaire, certes, c'est pas faux. C'est proche du concret, même, très. Or, je me suis mis sous celle-là, c'est une balle. C'est bien à peine de faire de jolies figures acrobatiques, messieurs, dames, si c'est pour mourir idiotement sur une boulette naïve. Oui, la boulette naïve. Celle qu'on voit venir avec évidence, mais qu'on va quand même prendre dans la figure.
Ah ouais, il y a des envies de corps à corps aujourd'hui. Hein. Oula. C'était pas très joli ça. Allez, formulaire suivant, on y va. Ah, j'essaye un truc, laissez-moi faire. Bon, fallait pas l'essayer, d'accord, mais si on n'essaye pas, on sait pas. En fait, je voulais cancel les gros rouges pour qu'ils cancel tout ce qu'il y a à l'écran. Voir ce que ça fait. Ça m'a pas semblé très rentable niveau points. Je sais pas, faudrait que je regarde un super play, mais je regarde jamais quasiment. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des gens qui sont doués pour scorer dans Mushi. Ah, ça fait bizarre quand je parle pas, vous avez pas l'habitude. Bah, je comprends. Moi non plus. J'ai complètement mis du temps à le flinguer sur la gauche. Je pense que le rank du jeu a dû monter là. Parce qu'il les a déclenchés à peu d'intervalle, les deux gros. Je me gratte, 2 secondes, je me gratte. C'est bon. Oh, quelle idiotie. Oh, ça marche. Oh, je suis content. J'essaye des nouveaux trucs, moi, à chaque fois. C'est le but du jeu. S'amuser, trouver des nouvelles routes. Apprendre, tout simplement. Allez, où next? On va faire comme dans Brevard, on va hurler avant de démarrer un tableau pour GK. Ils ont pas trop le temps d'apparaître là parce que j'ai pas envie de me laisser faire sur ce niveau. J'étais trop tendre à chaque fois quand je passais dedans.
Alors je rappelle qu'une des grandes particularités de ce Mushi Mesama, c'est la façon dont il invite les joueurs à gérer le cancel, c'est-à-dire les boulettes des ennemis que vous flinguez n'ont plus le droit d'être sur écran. Et il y a un timing à gérer avec ça qui permet que vous vous sortez, qui permet de vous sortir des pires situations. Bon là, c'était pas la pire, c'est moi qui ai fait une ânerie. Oh, pourquoi je me mets sur celle-là? Elle était comique cette mort. Deux secondes, je me resynchronise les gars. À gauche, toute. Non, pas encore à droite là. À droite. Non, l'autre droite, à gauche. Ouh, celle-là, je me serais pas accordé si j'avais été le jeu. Elle était pas méritée. Et je vous rappelle que les hitbox aussi, c'est l'autre particularité des caves en général. Les hitbox sont plus petites que le vaisseau, ça c'est connu, mais surtout les hitbox des boulettes sont plus petites que les boulettes. Et donc il y a une double tolérance entre la toute petite partie sensible qui est portée par votre vaisseau, plus la toute petite partie d'impact qui est portée par les boulettes. Et souvent, optiquement, vous pouvez vérifier ça puisque vous voyez bel et bien le vaisseau toucher des boulettes ennemies, mais sans exploser. Yo, toi tu vas m'emmerder, je le sens. J'ai bien de commencer sur le côté, dis donc. Bon, là j'ai merdé, mais... J'essaie d'observer en même temps. Alors, c'est... Le problème de ces jeux, c'est que c'est pas facile et d'observer, d'avoir un peu de recul sur l'action, et de... Ça aurait été la première fois que je le passais, celui-là, ça aurait été beau. Et de jouer en même temps, disais-je donc. Enfin, tentais-je de dire. On va se remettre dans l'action un peu. Après il va m'envoyer un pattern un peu vicieux, j'en veux pas. Ça c'est un random, c'est pas cool. Le petit pattern aléatoire. Qui était... T'as prévu quelque chose? Bah c'est pas ce qui va se dérouler, bonhomme. Vous êtes sûr les gars? Vous pouvez pas faire un peu comme d'hab? J'aime bien moi ce que vous faites. Allez bombe. Comment ça c'était pas fair play? Bah c'est une bombe, faut bien qu'elle serve. M'en sert jamais. Faut pas que j'oublie de hurler pour GK au prochain démarrage. Allez, go. Faut que je surveille l'heure aussi, j'ai un stream à balancer à 19h. Comment je vais essayer de le passer celui-là pour être original? Ouais, je vais essayer de trouver des nouvelles routes, des nouvelles astuces. Quitte à me prendre des crashs, c'est pas grave. Mais au moins ça va permettre de rigoler. Alors je pourrais m'amuser à essayer de cumuler les ennemis à l'écran, mais pff, sur ce tableau je pense pas que ce soit une bonne idée. Fofo le cancel. Vous avez vu ce cancel, il mériterait un replay. Il était au cinquième de seconde. Et pour revenir sur les cancels dans Mushi, c'est un truc très important parce que bien souvent le jeu, et c'est pour ça qu'on l'adore d'ailleurs, joue énormément sur le bluff. En installant sur l'écran une quantité de boulettes effarantes, mais quand on connaît le jeu, on sait très bien qu'on va les annuler ces boulettes, puisqu'on va faire péter entre temps l'ennemi qui nous emmerdait. Hop hop hop. Mais arrête! Mais... Oh! Il voulait plus crever lui. M'empêcher de finir ma phrase. Mais comme vous l'avez vu, ouais, le cancel, ça fait partie vraiment du gameplay de Mushi qui fait qu'on adore ce titre, parce qu'il y a une tension qui s'installe, on se dit, mais ça passe pas là si on regarde bien. Et en fait si, c'est prévu. Il est prévu que vous pétiez en priorité tel ou tel vaisseau pour arriver à faire le cancel et annuler ces boulettes qui étaient infranchissables. Et là ça passe en mode maniaque, mais faut le voir en mode hyper méchant, c'est spectaculaire quoi. Regardez les streams de Guzifus. C'est le meilleur player qu'on ait dans ce mode, dans le mode God Mode. Et vraiment, quand on le regarde jouer, on rigole parce qu'il est accoudé sur son coussin. Et il fait ça... on dirait qu'il est en train de pêcher, en fait. Il est paisible. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, moi. Un jour, je vous le ferai voir en God Mode, quand j'aurai re-rodé un peu ce jeu. Et je me serais déjà remis le 1cc de manière régulière dans les pattes.
Ça va être plaisir que je vous ferai voir comment je crie bien dans le God Mode. Parce que souvent c'est des cris et des larmes. Bah, j'étais pas du tout au bon endroit. J'ai préféré nettoyer. La bombe, on en a, on va en récupérer de toute façon, on s'en fout. On est des fous, c'est connu. On essaie un truc rigolo. Non, c'était le cancel. Trop, monsieur. Honteux, j'étais presque heureux. Ça passait quasiment, quoi. J'y ai cru. Ça s'appelle jouer avec la mort, ça. Oh, le cancel. Un cancel DX. Deluxe. Ouais, pour Deluxe. Allez, un papillon passé. Tu peux passer l'autre sans le bomber. Allez, go. Dommage. Méchant papillon, méchant. Deux secondes, je me gratte le nez. Ah, j'arrive. Non. Pas sur la dernière, monsieur. On fait pas ça. Oh la vache. Non, non, laisse tomber, je suis plus dedans. Oh putain, je suis plus dedans. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, je confirme, faut de bons yeux. Allez, go, dernier niveau. Dernier niveau qui passe à peu près crème, si ce n'est les tirs en éventail sur la fin, et bien entendu le boss qui est un calvaire. Mais je vous promets, un jour, je regarderai un super play pour analyser un petit peu ce que je n'ai pas compris. Et on va chanter de toute façon, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire sur ce niveau. C'était moche, ça. Ne refais plus. Allez. 3, 2, 3, 2, 1, go. C'est idiot ce que j'ai fait. Tiens, c'est pour toi, ça. Je vais pas le frapper, ça, gentil dragon, regardez. J'aurais dû.
J'ai le temps, gars, vas-y, installe-toi, prends une nappe, prends les couverts. J'ai pas mis la table, mais tu peux rester. Ils sont impressionnants ces tirs en arc, mais en fait, il faut pas se laisser bluffer. Il y a énormément de bluff dedans et ça passe crème en fait. On peut les passer soit en allant les annihiler au plus tôt, soit en restant bien dans le coin de l'écran et on prend le temps de passer entre les boulettes. Il y a largement la place. Oui, aïe. Le cancel, heureusement qu'il n'est pas arrivé une demi-seconde plus tard, sinon j'étais muerto. Mon truc. C'est le mien. Personne ne me le prendra, c'est mon one-up. Maintenant, je sais le faire régulièrement. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, eh ben, j'arrivais pas à le prendre, ce one-up. Ou alors je me mettais en risque parce que je m'y prenais bien trop tard. Et je lâchais un vaisseau. Donc un one-up et un vaisseau, ça fait opération nulle, c'est pas très rentable. Merde, ça a failli être une cata, ça devait pas passer, hein. Le jeu était tolérant. J'ai oublié les trucs à droite, ça m'a foutu le bordel. Attends. Ouais, là, je me suis mis dedans parce que j'ai fait une ânerie, je suis monté trop haut, il fallait que je reste en bas. Allez, envoyez la patiente. Allez-y, installez-vous. Attention, au début, c'est un peu froid. Dites rien. Mec, toi, j'attends, là. Tu vois pas que j'attends, j'en peux plus. Bon, j'ai trouvé un couloir, là, à gauche. Je sais pas quoi il sert, mais... Il y a bien une utilisation de ce truc, c'est obligé. Parce que dans le pattern, je vois pas trop me foutre. Et voilà, c'est pas mal. Le couloir, il est bien, moi, je dis. Oh, ne te mets pas dessous, monsieur. Deux secondes. Non, pas les tirs qui puent. Arrête de bouger, monsieur. Un, deux. Il y a un moment, faut... le 1-2, il... je sais pas, je crois qu'il y a un moment où il faut partir dans l'autre sens, mais je sais pas. Je le connais pas, ce pattern, j'arrive pas à le... C'est étroit pour passer, les gars. Vous pouvez pas penser aux vieux, un peu? Ah bah, moi, j'ai pas les mirettes, pareil, hein. J'ai les hanches qui prennent la place, comme on dit. Hop. Ah oui, il y a une histoire avec les tirs rouges. Faut que je passe à travers, déjà, j'essaye. Tu vois, ouais, ça passe. Donc le tir rouge, c'est du bullshit. Putain, si j'avais su ça depuis le début, moi. Vas-y, remets la tournée. Vraiment. Refais voir tes tirs rouges, là. Non, ça, j'ai compris. Ceux-là, je passe à travers, t'es sûr? Non. Faut que je réessaye avec les autres tirs rouges. Parce que là, on tient une manip, hein, qui est pas mal. Non, ils sèchent, les autres tirs rouges, je crois. Je teste. Non, cherchez pas à regarder du beau sur ça. Ah non, ceux-là, tirs rouges, ils sont pas bidons, quoi. On les touche. Non, j'ai compris, c'est bon. C'est ce que j'ai dans ma poche. Ouais, touche, il y en a trois. Elles sont dures. Lui, celui-là de pattern, j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le lire. J'arrive pas à le comprendre encore. Allez, test of Talmo. C'est parti. Os. D'ailleurs, du bullshit dans ce pattern, je pense. Il doit y avoir un bullshit. On va les regarder plutôt que de les bomber. Ah, c'est ça, il y a du bullshit. Mais des fois, faut bouger quand même.
Mais quel monstre, mec. En fait, faut pas bouger du tout. C'est vraiment un pattern bullshit, j'ai l'impression. Bon, faut que je retienne ça pour la prochaine fois. Le dernier boss, il y a eu toute une série de patterns bullshit. Où en fait, l'idée, c'est de garder la position dès le déclenchement du tir ennemi. Et normalement, c'est prévu pour passer. Voilà. Bon, est-ce que je remets une couche sur GK et Reworld? Non, la leçon a été apprise. Je pense que je vais le poster, le bout de Laïus que je vous ai tenu en début de stream. Parce que... ça fait sens. Et que ces gens-là qui s'installent pour pourrir un domaine professionnel, on n'a pas à leur faciliter la vie, tout simplement. C'est déjà assez dur pour les gens qui en vivent de pratiquer leur boulot. C'est déjà assez dur pour les amateurs derrière d'émerger, parce que à force de donner des heures au domaine, il y a des moments où on aimerait bien rentrer un peu d'artiche aussi, parce que ça consomme beaucoup. Et puis c'est aussi important pour le respect des lecteurs. Il est là le truc. C'est que ces sites de pub déguisés, faut les dénoncer et faut pas que ça continue de se répandre avec la telle aisance qu'on leur a donnée depuis des années. Et ça, c'est le système des boîtes du numérique, toutes planquées pour se rendre inaccessibles et ne pas avoir à fournir d'explications et puis changer les réglementations quand ça les arrange. Et on est là pour ne pas les arranger. On est là pour vérifier la qualité et apparemment, c'est pas au rendez-vous. Va falloir que ça évolue. Bon, je vous donne rendez-vous dans exactement 20 minutes sur YouTube. On va faire la découverte de la preview de Season Letter to the Future. Un jeu très chill, très... il n'y a pas de challenge monstrueux dedans, vous allez voir, ça... ça déroule sa narration tranquillement. Et on découvre de nouveaux horizons vers lesquels on se laisse emmener. Voilà qui est bien résumé. Rendez-vous donc à 19h sur YouTube au QG. Je vous rappelle que l'URL courte maintenant, c'est youtube.com. Et vous faites un / TBGFR, TBGFR, et vous êtes directement dans la chaîne. C'est pas magnifique, ça? Comment ça, j'ai pas fait un score? Pff, je reviendrai plus, moi. Allez, à tout à l'heure.